Bon selfie. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Get that understood. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas, ça va, les mecs. Alors, aujourd'hui, je fais une petite vidéo où je combine plusieurs choses. Donc, d'une, je vous montre quelques petits articles que j'ai pu prendre de chez Shein. Et de deux, je vous montre comment mettre ça avec des high boots. Donc, j'ai fait exprès de prendre quelques petites pièces qui iraient bien, en fait, avec des cuissardes. Il faut savoir que mes cuissardes ne sont pas très très hautes non plus. On va dire que ce sont des bottes hautes, mais pas vraiment des cuissardes. Et voilà, si ça vous intéresse, bah, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, comment je porte mes high boots? Je les porte de différentes manières en fait, mais je trouve que c'est très très joli avec une robe. Parce que ça donne ce côté un peu sexy, comme ça, sans en faire too much non plus. C'est vraiment très joli, mais il ne faut pas porter une robe très très courte non plus, hein, sinon ça va vraiment faire vulgaire. D'abord, vous m'avez demandé, oui, d'où vient ce top, etc. Je vous ai dit, hey, les papayas, doucement. Mais ce n'est pas un top, c'est une robe, et je trouve ça très très joli avec des high boots. And I can see by how you look, oh yes, you're feeling noticed by the style. I see the look in your eye wondering just how I get it down. I'll have you moving crazy, I'll have you moving wild. You'll be acting oopsie daisy, don't act like you ain't down. Alors, une deuxième manière de porter ces high boots, c'est porter une tenue classique tout simplement. Je trouve que c'est assez chic en fait de rajouter des cuissardes. Ça donne ce côté encore une fois sexy que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, j'ai mis une chemise assez transparente qui est noire quand même. J'ai quand même mis quelque chose en dessous parce qu'on veut du sucre, mais pas trop de sucre. Ok, c'est sobre. J'aime bien la texture. La matière employée, je trouve ça vraiment très très joli, très sexy. Si vous voulez un peu plus des sticks, alors il faut en fait opter pour des cuissardes à talons. Là, ça va vraiment vous rajouter encore plus de sexy, hein. Encore une fois, sexy mais pas vulgaire, et c'est ce qu'on recherche. N'hésitez surtout pas à rajouter votre blazer pour ce côté assez sérieux, etc. Et ensuite un petit collier pour habiller votre cou. Bref, moi j'aime beaucoup. Ok, dites-moi ce que vous en pensez. See the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain, but girl, I'll try. You need to sit down, this may take a while. See this girl, she sorta looks just like you. Alors, une troisième manière de porter ces high boots avec un pull, tout simplement. Je trouve ça très très joli. Là, c'est un pull assez particulier, mais vous pouvez en prendre un assez, assez simple en tricot ou quoi que ce soit, ça fera aussi joli. Mais là, j'ai vraiment kiffé ce pull. Je le trouve très très joli. Je le trouve assez spécial au niveau du col, etc. J'aime vraiment beaucoup la couleur et ensuite la longueur du pull. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup et je l'ai pris aussi chez Shein, si jamais vous voulez savoir. De porter ces high boots, et eh bien c'est de cette manière là je trouve ça très très joli en fait. Le fait de porter une chemise sous son pull, je trouve ça top. Personnellement, je trouve ça très très classe, surtout quand la chemise est bleue ou alors blanche, mais surtout bleue. Je kiffe ça, je sais pas pourquoi. C'était pas facile au départ de trouver quelque chose à mettre sous le pull que j'ai choisi, parce que c'est un pull assez crop comme ça,
un crop pull comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas mettre une chemise sous mon pull aussi, même si c'est pas un pull assez long, c'est un pull trois quarts comme ça. Voilà. Moi j'ai bien aimé en tout cas. J'ai été inspirée par une photo que j'ai vue sur Instagram. J'ai failli tomber, oui. Et j'ai essayé, j'ai trouvé ça super super joli et je me suis dit oui pourquoi pas. Et en plus le pull il est trop trop mignon, c'est un pull pilou pilou comme ça, il est trop chou, il est trop chou. That's true. Things ain't going like things should. It's all on you. It ain't all good. That's true. Things ain't going like things. Ah oui, j'ai aussi pris ce top-là que je trouve trop trop chou, surtout quand on habille ça avec du rouge, par exemple quand on met, je sais pas, du rouge à lèvres rouge ou alors du vernis rouge ou alors un sac rouge, bref, un accessoire rouge avec. Si vous voulez savoir d'où vient ce pull aussi, je sais que vous allez me demander parce que sur Snapchat vous me l'avez aussi demandé, je mettrai ça en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que cette vidéo était assez courte comparée aux vidéos que j'ai l'habitude de faire, les vidéos de 20 minutes, de 30 minutes, 40 minutes. Non, je déconne. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Tous les liens seront en barre d'infos, donc regardez ça. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, n'hésitez surtout pas. Je mettrai tout ça là, hein, juste là. Caca. Et voilà, à la prochaine. Ciao, ciao. Hey! J'aime beaucoup.